Un premier ministre loyal, un premier ministre courageux. Ceci n'est qu'une partie de l'hommage de François Hollande à Jean-Marc Ayrault. C'est un premier ministre désintéressé. Lui cherche simplement à faire réussir l'action que je conduis. Donc je lui renouvelle ici toute ma confiance pour les mois qui viennent. Existe également la possibilité d'un remaniement ministériel dans un futur proche. Le président et son premier ministre seraient presque partis bras dessus, bras dessous. Peu après la conférence de presse, quand nous interrogeons les parlementaires, celui qui était la cible de toutes les critiques depuis un an semble avoir retrouvé les faveurs de la majorité. Moi qui connais Jean-Marc Ayrault par ailleurs depuis longtemps, je sais que c'est quelqu'un en effet de fidèle et de loyal, qui est en phase avec François Hollande depuis très longtemps. Et certains ne manquent pas de rappeler le contraste avec le précédent gouvernement. Le meilleur soutien, c'est le respect pour la fonction de Premier ministre. Ce n'est pas l'attitude qu'avait Nicolas Sarkozy avec M. Fillon, qu'il avait traité comme un collaborateur. Revigoré, Jean-Marc Ayrault a ensuite tweeté qu'il était ressorti de la conférence de presse du président, plus déterminé que jamais à poursuivre le redressement de la France.